dit encore. Aujourd'hui, personnage dans l'histoire, il présente tout. Jacob Marie, alias Tonpa, un personnage comique, plein climat, mais citoyen, que la communauté de la musique Seychellois pas pour oublier si facilement. Longtemps, mon appel, radio trouvé avec sa son ziz. Il a un visage extraordinaire. Quand on voit le visage de Tonpa, c'est l'histoire du peuple Seychellois qui est exprimée. Fais mon voir Tonpa comment il nous dit l'Afrique brillante. Elders, un grand papa qui passe les formations avec ses enfants. Madame Christelle, j'ai en bas au prisonnier. Il y en a un volé au prisonnier. Ils ont parlé, son nom, il s'appelle Jacob Marie. Et sa petite nom, nickname qui a gagné, il est là. Finalement, on peut casser vos côtes. Il y a un accident aussi, croisant les doigts et les pieds. Nous avons un grand-papa qui appelle Caspat. Pour les gens de la famille, pour les gens qui n'ont pas noté. Après, tout le monde qui m'a appelé, tout le monde m'a appelé, même les autres qui m'ont appelé Tonpa. Nous avons gagné ça dans Tonpa. Je ne sais pas si je suis un homme. Son premier ouvrage, mais différent. Après différent, après d'entendre la guerre, fini comme si présent, il commence, ouais, comme si il n'a pas l'ouvrage. Présent, là, la sky commence, comme si prend autre dimon, autre zone, prend vol, l'osile. Il a l'air même là, qui m'a pas bail comment. Pas qu'à dire son année, hein. On est plus dit ça, il s'y tend, et pas les temps. Pas qu'à dire son année, là, il commence à aller. Il commence à faire zile là. L'autre mon bon ami, à ta vie j'ai fait ta page. Pas besoin de crier, moi pas peu qu'aucun pire. Moi peu temps pour mon galant. Jacob Marie est né le 30 août 1904. À l'âge 25 ans, il est marié avec Félicité Judienne. Ensemble, nous tiennent 8 enfants. Après qu'il ait fini forme sans famille, Tonpa a décidé pour aller travailler aux îles. Là-bas, il tient tiré con île et ramasser un coco. Il travaille aux plusieurs îles, pareil Poivre et aussi Providence. Après son lit dans aux îles, il tire tout le maï et là, il reste la pointe connant les tout seul. Il tire la pointe connant. Mais nous, tu comptes à loi, il la pointe connant. Il tire l'identité, tu pas y autre. Mais pour la type à y autre, tu mets la pointe connie. L'eau là. Mais nous, tu as fallu dans le connant, nous ne croyons pas là. Nous croyons pas répondre. Et puis, tu fais tchik. Il fait un wali. Mais là, nous allons, ils ont fini mon bon petit enfant. Je dis oui. Présent. Je dis oui, il dit mon connard, il dit ce qui t'a payé. Ah oui, mon maman, mon esprit fait la peau. Bien quand il voit nous, là, il prend son bon, il battait. Il nous a dit, on est bon, on est tout de lui longtemps là. Il a nous des petits bâtons, dit nous, les jouets bon, nous battons ça, nous battons ça, nous battons ça faible. Pour nous battre, pour nous battre, pour nous battre. Pas mal au meeting. La musique bombe, il y a la musique cordophone qui est l'origine de l'Afrique. Les mots peuvent dire l'Afrique, c'est un esclave, les océans qui sont sortis de Madagascar,
Mozambique avec Sénégal. Mais la plupart des pays africains, c'est un instrument cordophone. Présent la musique bon, même famille que la musique kora, qui se vient en West Afrique. Quand on le voit, on se dit, lui, il a eu des parents esclaves venant d'Afrique. La musique qu'il joue vient aussi peut-être d'Afrique. Elle vient de Madagascar, certes, parce que le bombe, c'est pas un instrument seychellois. Mais quand on voyait Tonpa et puis l'expression de son visage, et puis se marrer quand il chantait. Et Tonpa, il a été grandi à côté de celle dans l'esclavage. Quand il était un bon homme, qui disait ça. Présent, il a été grandi, il nous a abandonné Tonton Pézé. Il même dit son grand-papa, tu sais. Personne ne m'a montré, c'est une copie, une CFN, une suivre. Que son grand-papa peut faire. Quand on va prendre un bandit bradi, il prend un pelot, il va me dire bradi, pas zozo, hein. Il pleure et ça dit bois, comme si mettant un haut, puis un gros, puis il redit en l'air, les on va pleurer son degré, met son la ligne, on va prendre un cafou, il fouille, il met pas un millier, il prend un petit ou la tête, quand ce cafou le coco, il met pas l'eau là, il prend la graine réglée, sur la graine agate, il met un blé de bois à limite, c'est en masse, nous avons ma mari, comme si ça fait son secret, et que ce soit des petites baguettes. Après, ton parti, c'est la musique pareil, Zez aussi. Zez est la musique qui est bien connue à Madagascar. Et dans le même pays ouest africain, c'est la Corée. Tout ça donne un galant canon, le sapon. Pas besoin de sauver la vie, mais sauve la vie, ça bébé. La plupart des chansons qui battent un bon santé, pas les blues. Des chansons qui plutôt bonne complète. Ben, quelque chose de PCBI, ben Mathieu, Madame Lalène qui tout. Et même il y a une chanson qui est un peu comique aussi, faire rire. Et même quand il y a une chanson pour les bandes américaines, dans les United States, Mississippi, Louisiana, PZ. Il a un visage sévère qui rappelle l'esclavage, mais quand on parle avec lui, tout de suite il y avait le rire comique, enfin quelqu'un qui se moquait en fait de la société. Il était dans cette société, mais qu'il en connaissait tous les travers. Ses musiques et ses chansons, quand même, c'est une caricature de la société seychelloise, c'est-à-dire ce qui se passait réellement entre l'homme, la femme, les disputes, le divorce, les tromperies, et je vais faire tel stratagème, je vais appliquer telle démarche. Hein, on raconte la vie. Pourquoi ce bon petit face qui fait... Et puis le bon madame, le bon monsieur, qu'est-ce qui me passait dans la cour, connaît l'osile, le temps, par exemple, sans monsieur pas le travail, madame aussi contre la case, et résister, il passe derrière, et ton pas à contre tout ça, bonnes affaires, mais soyez pas contre tout. Il y a le bon petit bout. Et par exemple, si vous dites, résister, il passe là-bas contre madame, il n'est pas fini de dire ça à l'autre qui madame. Il y a beaucoup de chansons qui sont en santé qui sont réelles et qui ne sont pas réelles à cause d'une composition. Mais tant qu'il tire, il compose quelque chose qui touche au folklore, quelque chose qui voit tous les jours. Mais s'il y a une histoire qui ne passe avec certains dimons, il y a quoi de sa histoire. Mais sa dimon, il prend ça pour lui. Il paraît ça, sa parole qui nous dit ça peut entrer dans la tête ou mettre. Mais lui, il finit de mettre sa peau. C'est ça, ça qui me passe en bas de sa peau. C'est tout, comprends? Et là, il a dit, ah, on compose moi, on compose mon nom, on compose ça que vous faites. Pas où? Ton papa, tu dis, ça sent bon, mais tu m'as raconté l'histoire. Oui, on a une bonne histoire, il y a une histoire, il fait rire pour commencer à se faire une histoire. Son goulard dans bassin l'air, ou appelez la qualité de l'histoire longtemps, 6 ans tout seul. Quand il y a une bonne question de l'OTAN, il y a une quantité de bonnes îles. La belle même l'a dit, moi, je suis un homme de mari, je suis un chanson, je suis composant de mari, mon enfant. Je dis, mais tout ça là, où faire? Je dis, mais oui, mon zone est un compte à l'osile. Comme si ça, mon petit compte, il y a une bonne histoire comme ça. Qui vraiment en goût, les rois six équipes à côté, bonne chose, bonne chose, qui me fait l'osile, une travail, une quantité de temps. Qui vraiment tout ça. Un mari, mon enfant, faute-moi, mon enfant. Bon, ça, c'est une bonne femme même qui est avec l'osile. Qui est avec l'osile. Il y a tout le monde qui croit que c'est un mari qui sont madame. Son madame mariée, c'est félicité, Zilienne, mon maman. Là.
là. La musique Tonpa et même traverse l'océan. Ingaïsans participe devant l'événement international. En 1978, par exemple, Ital performe en France ensemble avec Tombo Boy. Et il était très connu à l'étranger. Il était connu en France. Il est venu en France. Il était très, très connu et très apprécié. Après, il a gagné beaucoup de publicité dans Viezou. Quand tu es en étranger, il a fait recherche, c'est que lui, il a fait un programme, il passe là-dedans. En étranger, il a fait sur le régional, stade populaire. En France, on a l'INA, l'Institut National d'Audiovisuel. Ils avaient envoyé des techniciens ici pour enregistrer Tonpa et pour l'entrer dans la mémoire de cette institution qui enregistre tous les grands reportages tous les espaces artistiques. Donc on était venu l'interviewer, le faire chanter. Donc il appartient un peu aussi au patrimoine français du fait qu'on a gardé sa voix. Beaucoup de CSR qui viennent de moi. Il y a beaucoup de CSR qui viennent faire d'autres Alexis pour un master PhD. C'est un Américain, Allemand, Rayonnais, Français, plusieurs nations. Là, ils sont venus, les moments où la musique sont pas d'autres écoutés. Ils disent, moi, ici, il y a un réseau pour moi, Zénith, travaille là. Il est déjà là. Dans tout pays, le monde, c'est un petit monde, Zénith, travaille là. Ça racine déjà la présence d'autres, c'est créer quelque chose avec ça qui est le bon Dieu du monde. C'est que je dis que Tonpa la magie plan, moi mène la tisane. Il y a plusieurs musiciens et chanteurs qui réinterprètent sur son Tonpa. Ça est bien si chacun dans sa propre façon. Ça pour faire si que ça style en musique, pas gagne englouti, pas ban les autres gens qui nous peut tendre comme elle là. Et bien si pour garder comme un patrimoine pour bonne génération future. Moi aussi, mon guetement est préparé Tonpa. Bon, c'est mon envie que la musique sociale, la musique créole, il reste, il reste vivant tout le temps. Et qui ne pas perdre sa identité à cause. Si nous continuons l'aliénation entre et actuellement, Banzen, papé Toto est intéressé avec l'originalité de travail, c'est plutôt copycat. So, il y en a un risque qui nous perd. Et si nous continuons à oublier Bandi Moun pareil, Tonpa, nous, à l'avenir, nous ne pouvons pas. Nous pouvons aller nous la musique, quelqu'un qui va pour nous. Pour bien jouer la musique, pour faire rire. Pour faire rire? Avant l'univers. Le temps petit de Bogayak, justement, il y a un son, comment tu as un petit dédié pour Tonpa. C'était mon son, j'appelle Tonpa. Et dans la chanson, mon nom dit Tonpa 15 fois. Sautant pour moutier dans mes oreilles, ça y fait mon mazine, mon descendance. Les Tonpa, ils jouent son bombe, ça y fait mon mazine, l'autre côté de l'Afrique. Mon nom Tonpa 15 fois. Mais c'est la chanson, mon petit dédié pour lui, à cause, mon apprenait bon pays clé. Et pour faire ici aussi, ça, non, il restait. Et ma génération qui montait, qui continuait à cause de Tonpa. Je suis venu écouter la musique, je suis venu écouter. Je suis venu essayer de tout commencer à sentir. Et je suis venu vivre, refaire mes chansons. Je suis qui sont originales, mais c'est moi qui ajoute un peu quelque chose à leur faire les jolies. Il y en a des gens qui ont des affaires. C'est moi qui fais un ajout un peu quelque chose, un peu de parole là, mais nous qui sommes une parole. Je suis ajouté un peu la musique avec des qui sont une parole originale. Ce qui m'en prend beaucoup, ben, ça ne s'entend pas pour santé, c'est pour arranger, pour ça d'activité pour moi. Pour dire, je connais comment un artiste culturel, un monde qui la lit pour garder la culture
débouté mon compte mon camarade grâce à la musique Tonpa peut-être pour refaire et travailler à cause même langage qui m'ont causé. Le monde grandit dans la musique et mon suis intéressé par la musique culturelle locale, internationale, partout. Et tout le monde s'est intéressé par exemple la musique bombe, zèze, tabou, moutia. Je connais l'instrument qui est l'origine de l'Afrique. Et voilà, je connais Tonpa, les radios sont ouvertes, j'ai la musique Tonpa. Et Tonpa aussi, ça va l'état populaire. Je crois qu'il y a la France, tout apparemment. Et voilà, avec mon bon intérêt pour la musique culturelle, écoute Tonpa de temps en temps. Et bonjour, je suis décidé, je suis besoin de voir Tonpa un coup. Et avec un peu les formations, les questions qui vont rester. Et à la fin, je suis une jeune camarade. Et si j'ai un professeur au Cadi et une cause nous nous riait mon côté riait aussi côté riait et une partage un peu bonne l'expérience. Oui, moi là mon petit travail là-bas si dans l'année 82 c'est quoi opérer mon collègue là doit l'arrêter sur la situation tous les enfants du ministère sont là la sécurité sociale présent là est venu c'est mon homme qui quand a causé la condition à bonne affaire. Pour ça, il y a une cause qui est même fait bombe ici dans mon de la cour de mon souvenir. Alors, donc, quand j'ai rencontré la dernière fois, c'était avec ma femme. Et je me souviens, il pleuvait à Verse. On s'était donné rendez-vous. Et je lui ai dit excusez-moi, je viens vous enregistrer. J'ai toujours voulu vous interviewer. Voilà, le moment est venu. Donc, il m'a dit monsieur, il n'y a pas de problème, on va s'installer dans un endroit. On s'est effectivement installé avec ma femme dans un endroit et on l'a interviewé pendant une heure et demie. Chez moi, toute cette interview, où par moment qu'il prend son instrument de musique, il joue, par moment il nous explique, parce qu'il avait une sorte de cristal, vous savez, à l'intérieur il y a des petits, il y a des fruits secs. Et de temps en temps, il faisait ça et qu'il jouait de la bombe. Et c'était très émouvant parce qu'on savait très bien qu'il était vraiment sur la fin de sa vie. Hein. C'était quelqu'un qui était éteint. Hein. Bonjour madame, mon dit bonjour mambe. Jacob Marie alias Tonpa, Timor en janvier 1994. Il y a 89 ans. Mais il quand même resté toujours vivant à travers son musique. Oui, dans grande collection, il est real. Vraiment, c'était real, tu sais, vivant. La plupart de l'enregistrement, c'est M. Mahon qui s'est fait aider, mon croisé de souvenirs à l'île en 1979. Il y a une grande quantité de séments, nous n'avons pas encore vraiment fini le transfert, pour le format digital ici. Mais Tonpa est unique. Tonpa est. Comment on va dire ça? Il est pareil. Il va être parti ici, ou à Zissé, le papa tant de ça, aucun pas encore. Pareil. Il y a un personnage unique, son qualité de la musique, son qualité. Moi, il y a pour lui, moi, il y a ça qui a compté, moi, il y a eu son zé, son bon. C'est vraiment pas ce qu'il a dit. Et là, je vais pas faire de l'histoire. En effet, on va respecter un peu. On va Et peut-être dans le livre qui écrit Loli, je crois qu'il y a un livre à portrait, sur ma famille encore là, qui explique un peu. Et pourquoi on est quand nous pouvons voir ça monument, le temps pas. Victor, il n'y a pas là en ville, pas qu'on est. Et je crois qu'il devrait être en place pertinent, premier. À cause aussi ton pas contribuer dans nos instruments traditionnels qu'il tire, par exemple, dit à l'état de la France. Mais je ne sais pas qu'on est qui dernière fois un musicien si on a avec un zèze ou soit un bombe dans un autre pays. Je ne sais pas qu'on ne parle pas de quoi là, il est qu'il faut casser, je ne sais pas qu'on est. Mais puis ça qui joue bien, à cause du besoin, je lis bien techniquement, ou bien santé, ou bien jouer, après, il n'y a pas de question facile là.
Tonpa y a un trésor unique dans lui-même. Oh, 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 comme un dondo chia. Voilà, ça aperçit le Tonpa, son long musique et Marc qui a quitté la scène long musique. C'est celle qui termine là. Tiens, plaisir pour moi pour ça un programme. Merci beaucoup pour suivre. Au revoir.